Bien bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment potier leur consommable. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez voir dans l'intro, il faut principalement de la tire de bruyère, c'est très important, 10 billes d'argile et ensuite un feutre pour mettre en bas entre la séparation des billes d'argile et le tireau qu'on va incorporer. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Donc les billes d'argile, donc elles permettent tout simplement à faire un bon drainage parce que l'hortensia n'aime pas trop les excès d'eau, donc c'est pour ça qu'il faut impérativement donc mettre des billes d'argile ou des cailloux, ce que vous voulez, ou du sable. Il faut absolument que ce soit bien drainé. Voilà, allez, on continue. Alors comme terreau, il faut prendre donc, pour l'hortensia, donc c'est de la terre de bruyère, donc c'est une terre, un terreau qui est très acide, donc c'est impératif aussi donc, de mettre terre de bruyère hein, sur les hortensias ou rhododendrons ou azalées, tout ce qui est sous le nom plante de terre de bruyère, c'est très important. Si vous mettez un autre terreau, la plante va tout simplement mourir, donc c'est très important donc, de mettre la terre de bruyère, donc ce qui est acide. Voilà, une fois le rempotage ou la plantation terminée, donc il y a tout simplement à arroser copieusement. Même si il fait pluvieux, toujours arroser copieusement, donc un arrosoir de 10 litres, 10-12 litres. Voilà. Ensuite, l'hortensia donc se met principalement dans un coin à l'ombre, pas en plein soleil, ça ne supporte pas le plein soleil, ça risque donc de brûler les feuilles et les fleurs et toute la plante, donc c'est vraiment important de la mettre à l'ombre, hein. Soit début de la matinée, le soleil du petit matin, c'est encore possible, ou le soir, mais durant l'après-midi, ne pas mettre l'hortensia au soleil, et aussi faire attention que l'hortensia a toujours
la terre un peu plus humide. Je n'aime pas non plus les terrains secs. Donc très important à bien arroser, pas trop non plus pour éviter de les noyer. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à mettre de l'engrais au printemps, hein, donc au début de la reprise de la végétation, c'est aussi bien, ça permet de renforcer la plante, hein, surtout ceux qui sont en pot, et favorise aussi super bien la floraison. Voilà. Voilà, j'en termine pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!